www.tolobelavie.com www.tolobelavie.com TOLOBELAVIE.com www.tolobelavie.com TOLOBELAVIE.com www.tolobelavie.com TOLOBELAVIE.com Bonjour et bienvenue sur Tolobelavie officiel. Merci de votre fidélité. Merci Naba Congolais partout au Bolanda Kabiso. Naibi ke Bopona Tolobelavie bo sala choua moko amalam. Encore une fois, un grand merci à Binonio Soyo, vraiment pour s'abonner à Tolobelavie. Donc, pour s'abonner à Tolobelavie, c'est facile. Ok, cas sur YouTube, vous avez Tolobelavie officiel et vous avez accès au Kokoma de Konabiso. Voilà. Merci à la grande équipe à Tolobelavie. Merci à notre réalisateur Steve Malungwene. Merci à Alvaro Mwanza, le prince de la paix. Washington, le grand pays de Dominique, merci Nayo, merci Bozamo Ebele, Eric Shimano, KPDG Authentique, Waneza Batou, vraiment, Oyo, tout travail à Kanabango, donc il faut chaque fois, tout mes caca, que cela boye, ce qui tout banda, photo, tangama, bakombo na bango. Voilà. Information, les amis, déjà avant tous les cas, Milou Moto Kwe la biso na minute oyo, donc totos information moko na minute oyo, que papa Lutumba Simaro n'est plus, papa Lutumba Akoufi Lelo, Totikozoa Nini Sango Oyo, nouvelle Totozoango, Kalate Awande Totozoa, nouvelle Wana, bon, Tomeki ko vérifie, Toyeba, ce qui. Eza penza bongo parce que tu recolles qui ça information t ce qui toza sur n'angoté donc tu outil ko vérifier alors papa Lutumba ne plus donc Akoufi c'est confirmé voilà donc que son âme repose en paix donc famille na yonyo so te souhaiter vraiment ma condoléance à biso na famille Lutumba Mobimba papa Lutumba za muto a sali trop na musique na biso papa Lutumba za muto vraiment lelo il faut quand même te reconnaître ye bon abeli pe moi mingi il a passé vie na ye Mobimba kaka na ndule na musique mais lelo yo nzambe abengi ye abeli pe moi mingi bon Nzambe a décidé à zoa moli monae donc que son âme repose en paix papa Nabiso Lutumba Simaro ndomaneno donc boy bakye bato bayebi papa Lutumba bato yo ba connaissance ba mi ba on a nos informations te boy ba déjà que na minute yo papa Lutumba n'est plus donc papa Lutumba Akoufi atikibiso donc encore une fois, que son âme repose en paix. Papa Nabiso Lutumba Simaro, a sali mingi de Tolobiwana na musique congolaise. Voilà. Information Ezali, il faut tout bêta. Ce qui te vit information de Tolobakatoya, Kalibosan Abilo Potomika, Kosolola, donc Tobandaki na Sangoya Mawa, Sangoya Pasi, Oyo, et Kweli, encore la communauté congolaise, donc Bana Congo, mais Ba Congolais, Babungisi encore Moko. Oyo azala ki makasi na lindanda donc le lon nzambe a décidé autre parce que souci azali ki papa Lutumba azonga makasi tout le monde a kata komona mais bon nzambe a décidé donc boye bake papa Lutumba Akoufi alors bolim sa mke information azali de tolobi wana information tope sabino azali na Air Congo News balobi le Congo reste gouverné depuis Kingakati. Donc, République démocratique du Congo, et Zakaka, c'est-à-dire, Bazo dirigeait en Okaka, na Kingakati, c'est-à-dire, na Joseph Kabila.
Joseph Kabila n'a même pas concédé. Donc, la Kabylie veut conserver coûte que coûte les deux postes et ne veut pas prendre le risque d'un quelconque débat. Elle n'a même pas ouvrir la discussion na makambo oyo donc bango ba lingi ba conserver masolo oyo tokozongela yango tokomeka ko beta lisolo yango nde tozosola kaka boye tokomeka ko beta lisolo yango parce que za deja makambo le ko les circuit ko il faut tokomeka ko sola yango. Le militant de l'UDPS divisé. Kaka Tangu, Félix Tshisekedi Azui, Mokanu, Yako levé la suspension de l'installation du Sénat. Le militant de l'UDPS, Baza divisé. Donc, Ndamboyo, Bakeiboy, Ndamboyo, Bakeiboy. Tokozongi na yango. Pona Tomeka Kosolola. Voilà, donc, information Ezali, Yango Wana, Tomanana nou Oyo. Balobi na biso ke, le Congo reste gouverné depuis Kingakati. Donc, si le lo Oyo nde toza boye, Congo eza dirigé par Joseph Kabila, Nandengeni. So ki otali bien, comment la queue? Bamoka no nyo se zo zoama. Et zo zala kaka. Na avantage. Ya FCC. C'est vrai que Joseph Kabila a 18 ans. Na pouvoir. C'est vrai que. Bazo ki tan yako se préparé. Pour bazo ki tan yako se préparé. Mais normalement. Normalement. Mibe que si yé kwe yaki. Gouvernement si yé kwe yaki. Et on a zolba chaque fois. Tozo continue comme on a ka makambo yo boyende parce que makambo normalement fait tout le monde en souti. Mais tozo continue comme on a. Yango moni nini journal oyo ya autolobio yo ya journal oyo ya R Congo News bangonde ba confirmer balobi donc le Congo Ezaka ka dirige na Kingakati. Parce que ce hôtel bien au monde ki, il y a des preuves. Tel le président Oyo, Aya, Akei Félix Tshisekedi Ayambi, Akei sou Kabila Ayambi, sou Akei na Lugani ni pa Kabila. N'habite sou tozo mona makambo, sou tozo comprendre, tozo comprendre. Kabila Oyo Yambaye etant que nani. Et bon, tout cela, tout cela, Kotuna, Joseph Kabila wo ko yamba. Ba président osoga ye paf lobi ale dans soga sisi kuna mbamo tout tout ale kuna. Est-ce que tout monde tout monde te? Joseph Kabila ko yambi azo yamba ka bango etant que banani. Et puis pourquoi zo yamba bango? Joseph Kabila vendi ce qui batuna ye. A benga ki batunaye tout. De signer sous les yeux du boss. Pour yen de boss na bango. Ba signer un acte d'engagement. Acte ezalaki avec toutes les allures d'un acte d'allégeance. Batunaye tout ba yaki. Parce que ma kambo to ba ngoya moko on dirait bon na mi sa batu bima e bima signature son dernier mais parce que ba sala ngo na boutu ti na moyi dans la boutu pene dans la patte de sang donc il est signé acte d'engagement ye moko vandi autorité morale batu bazoya bazo signé bazo kene batu oya ye yo to zo ba Timbula nini toko continue ko lomba kambo yo. Donc c'est que tolo baki. Donc c'est tolo baki mawa trop. Tolo ba bongo. Na ebite soki
Koloba nini na makambo. Président Wuti kuna ye. Pa. Alekim malamoko boum. Tout de suite. Tout de suite alekim na. Et pas Joseph Kabila. Ce que Bazo qui ndeko sala nini. Parce que tu as dit que c'est Félix Tshisekedi, Nde Moutouaza président de la République. Les loyaux, donc c'est-à-dire Moutouaza dirigeait Bissot, c'est lui. Mais comment le président ou le monsieur Soki Baye, il faut pas Kende, Kingakati, il faut pas qu'il recoute na Joseph Kabila. Donc, il y a un moment où je vous en ai la RDC, la ministre, donc, Ezan Angoka a dirigé na Kingakati. Donc, le Congo reste gouverné, dirigé depuis Kingakati. Parce que ce tombeau à Makambo, c'est normal. Makambo, tout le monde a eu un mot qui a bouillé. Ce tombeau, tout ça, c'est normal. Et c'est normal. Makambo, tout le monde a eu un mot qui a bouillé. C'est normal. Donc, na makambo ko moye kutu ya kolobeza te do, c'est-à-dire talaka na misu kolobate ta, il faut te lobate parce que président de la République Félix Tshisekedi na na mona oy makambo ya sama na Congo, en tout cas franchement nulle part makambo ya sama na mboka la bisoko nulle part et ça la marata. Comment expliquer président de la République azam mususu, mais parce que il y a la ministre de azam, c'est-à-dire a commis ancien, mais Bakenda au monde avec quoi nini? Ceux qui ont tali au monde que Bazala va député et belé Koleka, c'est-à-dire donc majorité va député Isabango, majorité va sénateur Bauti toujours kuna, donc c'est-à-dire Kabila sénateur à vie, nani va député Premier ministre, Fabi Makuna, mais ce qu'on finalement, Eza Nini. Jusque là, on ne comprend plus rien. Voilà. Donc, on a besoin de dire que c'est Félix Tshisekedi qui dirige le Congo, le pays actuellement. Mais on dirait que Mibé Kozo Utananu na côté Oyo, il y a FCC. Maintenant, tout ce qui est là, franchement, nous voulons savoir plus. Qu'est-ce qui se passe dans Makambo? Et là, on est au bon moment, c'est à Makambo, parce que le peuple congolais, les lois au peuple, là, c'est-à-dire, la division, c'est-à-dire, non, tu me soupes, tu là, tu me soupes, tu c'est-à-dire, tu ne comprends plus rien. Voilà. Tu dois comprendre. Il faut te comprendre. C'est important. Trobaki, le militant de l'UDPS divisé sur la levée de la suspension de l'installation du Sénat. Donc, au siège de l'Union pour la démocratie et le progrès social, alimenté, les avis sont divisés au sujet de la levée de la suspension de l'installation du Sénat. Actualité au monde, on a actualité.cd. Batouba réagissait qui ba combattant ba réagissa ki, ba loba ki. Donc, certains militants approuvent cette décision du président de la République, Félix Tshisekedi. Mais d'autres, par contre, Moussou Baza ko boude yango. Moussou Baza sepele langote. Alors, Baza ki moi d'intervention, na batou. Balobi, la décision a été prise par le président de la République, étant que garant de la nation, parce que c'est celui qui veille au bon fonctionnement des institutions de l'État. Néanmoins, nous ne pouvons pas reconnaître une institution battue sur fond de la corruption. Voilà, Ndekomoko, Komonaï Biaï, Russel, Yazali, coordinateur du club de réflexion, soutient Félix Antoine. Donc, voilà. Donc, la décision a été prise par le président de la République étant que garant de la nation, parce que c'est celui qui veille au bon fonctionnement des institutions de l'État.
Néanmoins, nous ne pouvons pas reconnaître une institution bâtie sur le fond de la corruption. Voilà, wana nde consulta le baki bongo. Tout ça, moi, ba témoignage à Batou. On a dit que le pouvoir judiciaire lui a fourni les rapports et qu'il a décidé sur base de ces rapports, on ne trouve pas d'inconvénients. Donc, nous allons reconnaître le Sénat, mais quand le gouvernement sera publié et installé, la vraie justice va interpeller les sénateurs corrupteurs. Espère, ouais, voilà, voilà, Ndenge, Ndeko, voilà, Emmanuel, voilà, Moutou Moussousou. Donc, Moussousou Salobi, on ne réagit pas à la décision du président. C'est lui le leader. Il sait comment fonctionner le pays. Donc, voilà, Ndeko Moussousou. Moussousou Salobi, il fallait que le président laisse cette installation s'effectuer. Plutôt, s'effectuer. Donc, M. Alobi, attends, voilà. Alobi, il fallait que le président laisse cette installation s'effectuer. Quand nous aurons un nouveau gouvernement, il se penchera sur la question. Donc, la justice actuelle n'est pas vraiment crédible. Voilà, M. Soussou. Donc, je vais témoigner de Zaki, moi, belé, Batouba Alobi. Bon, dans quelques minutes, il y a commis deux camps. Batou, ba Sangani, Batou, ba Kabouani, Batou, ba Panzani, deux camps. Et commis un camp, Oyo, Batou Misousou, Baza, très mécontent. Et dans le camp, Oyo, Batou, Misousou, ba Sepeli. Mais, dans minute, il y a Batou, ba Kabouani. Misousou, ba Pesse, Félix, c'est qui dit raison. Balobi, Baza Kozela, installation il y a gouvernement, donc tant que vous publiez installation gouvernement, après la justice va interpeller les sénateurs corrupteurs pour bailler parce qu'on est dans ça. Mais le col là-bas, si va publier qui déjà qui va Baza longue, Batsi va Baza longue. Mais est-ce que vraiment, est-ce que justice au Congo, au Sénat, au Sénat, c'est normal? Parce que je suis celui qui bat toi, non? Ma cambo est celle mieux à corruption, mon roi, vous savez. Est-ce que justice est vraiment? Bon, ça, vous savez, on a bon et difforme. Non, je ne crois pas. Donc, bateau, il y a ce batikali, donc, vous voyez, il y a un gantama, parce que souci, la bango est moui. Donc, si bateau, il va éviter que Félix Tshisekedi a déstabilisé Nini, a destitué le pouvoir, la bango. Quand si bango va éviter, il va éviter, très bien. Voilà. Bandeko na ngai makambo yo eza show ya kusakanati. Toki pena mambo kana biso. Nous avons franchement nous avons un sérieux problème. Donc avoir bino l'intervention au to proposé bino ya Félix Tshisekedi na Rwanda. Donc avoir bino na yango. Toti bino bolanda yango. D'ici là portez-vous bien. Bolanda le loko yo comme ça. Mais il faut tout bunda kaka. Parce que c'est tout bundité. Président de la République, il est le garant de la nation. Je crois que la décision a été prise par le président de la République étant que garant de la nation. Parce que c'est lui qui veille au bon fonctionnement des institutions de l'État. Donc, il est le Moutou. Ayebi. Mais à l'obi, néanmoins, nous ne pouvons pas reconnaître une institution bâtie sur fond de la corruption. Bah juge, baby Makambo, bah juge, baby que Makambo yo ezabo, 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 ezabo. Bref. Tout ça, Biloko Bolanda. Bazako lutte contre la corruption, mais corruption yo salama, ezo monana vis-à-vis. Tout ça, l'anime. Rapidement. Merci. Voilà. Bienvenue à la télévision rwandaise dans cette émission spéciale où nous sommes à Kigali Convention Center dans le cadre du forum Africa CEO Forum ou encore le forum des chefs d'entreprise sur le continent africain. À la présentation, je suis Eddy Sabiti. J'ai tout le plaisir
et surtout l'honneur d'accueillir dans nos studios de circonstances Son Excellence le Président de la République démocratique du Congo, M. Félix Tshisekedi Antoine. Monsieur le Président, bienvenue à la télévision rwandaise et surtout bienvenue au Rwanda. Peut-être bien avant de plonger dans le vif du sujet, ça fait 2 jours que vous êtes là. Quelles sont vos impressions d'abord du pays pour les 2 jours que vous venez de passer au Rwanda? Merci. J'ai d'excellentes impressions parce que la dernière fois et la première que j'étais venu ici au Rwanda, c'est il y a 16 ans maintenant, en 2003. Donc vous imaginez, il y a des choses qui n'existaient pas du tout. Je ne me rappelle même pas avoir vu une route asphaltée à cette époque. Donc c'est vraiment un progrès énorme et je félicite évidemment les autorités rwandaises avec à leur tête le président Kagame pour cette performance. Monsieur le Président, vous êtes là dans le cadre de ce forum, je disais, des chefs d'entreprise sur le continent africain. Le focus a été placé sur le partenariat entre le public et le privé. Vous, personnellement, pensez-vous que c'est là que réside la clé du développement du continent africain d'une manière globale? Oui, je le pense, parce que lorsqu'on laisse tout à l'État, l'État s'endette et vous savez, l'État gère des choses de manière à ne pas chercher des objectifs comme les privés peuvent les chercher. Donc c'est tout à fait important de développer ce partenariat entre le public et le privé parce que je crois que ça rentre vraiment dans le cadre de ce qu'est mon approche de la société. Le parti duquel je viens a une approche de ce genre-là. Donc favoriser l'initiative privée là où elle peut être favorisée et réguler le secteur par une présence de l'État pour qu'il y ait une sorte de neutralité, qu'on n'ait pas non plus des privés qui prennent le monopole et qui finalement s'imposent à la place de l'État. Et donc c'est pour moi effectivement un enjeu essentiel, surtout en Afrique, l'Afrique qui veut se développer et qui a besoin aussi d'avoir un entrepreneuriat actif, hein, un entrepreneuriat qui soit aussi très fort, très puissant pour ne pas se faire avaler par les investisseurs étrangers qui arrivent et qui font la loi. Donc il faut protéger le partenariat privé africain en même temps qu'on va le développer dans ce partenariat avec le public. Monsieur le Président, au cours de ce forum, il était également question d'évoquer des questions de la sous-région, notamment les relations entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Les relations entre les deux pays ont connu des péripéties, des moments difficiles et dans un passé très récent. Mais au cours de votre intervention, on a senti un certain optimisme. Vous êtes trop positif, vous vous projetez vers l'avenir. C'est même le cas avec le président Paul Kagame. Est-ce un symbole ou c'est le signe d'un nouveau départ entre les deux pays? Je crois que c'est un peu les deux. D'abord, moi je crois que pour arriver à un objectif, il faut en rêver, il faut l'envisager. Et donc se donner les moyens ensuite pour y aller. Donc forcément, il faut être positif. Vous ne pouvez pas envisager un idéal en étant négatif. Il faut être positif pour y arriver. Secondement, je dirais, le Congo, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Rwanda et le Congo sont appelés à demeurer à vie des voisins. Donc ce serait vraiment ridicule de continuer à se faire la guerre, à se détester, à rater les occasions, les opportunités qui s'offrent à nous de faire des bonnes choses. Troisièmement, je dirais, je prendrai l'exemple de la France. Je le dis souvent d'ailleurs, je prends l'exemple de la France et de l'Allemagne. Regardez dans le passé, combien de fois ne se sont-ils pas fait la guerre. L'Alsace est passée de l'Allemagne à la France, de la France à l'Allemagne, ainsi de suite. Et la Lorraine, pour finir, ils ont fait la paix. Ils ont compris que c'est en mettant ensemble leurs énergies qu'ils seront forts. Et aujourd'hui,
on parle de l'Allemagne et de la France comme le moteur de l'Union européenne. Donc vous voyez que on peut faire des choses positives et Dieu sait combien de talents il y a dans cette région entre nos deux pays qu'il faut mettre en avant. Et je pense que j'ai trouvé en le président Kagame quelqu'un qui est résolument tourné vers la même vision que la mienne. Et je pense que, en tout cas, quelles que soient les secousses, les soubresauts, nous allons arriver à notre objectif. Pour terminer, Monsieur le Président, votre nom, c'est Félix, mais vous portez quand même un nom de famille, Tshisekedi. Nous savons tous ce qu'on dit du Sphinx délimité. C'est vrai, vous avez votre vision politique, vous êtes longtemps resté dans l'entourage de votre défunt père. Aujourd'hui, vous vous dites qu'il y a une mission, non seulement que vous avez un programme personnel, mais il y a aussi une vision, une certaine mission à remplir quelque part qui n'a pas été accomplie par votre défunt père. Vous gardez ça quelque part en mémoire ou au coin de votre tête quelque part. Ça revient qu'il y a quelque chose que je dois faire en tant qu'héritage de mon défunt père plutôt. Une mission à continuer plutôt, pas à accomplir, parce que bon, on sait tous que nous sommes humains, nous serons appelés un jour à disparaître. D'ailleurs, lui, mon leader, mon père, le savait. Le premier jour où il m'a expliqué son combat, c'était au début des années 80, il m'avait dit qu'il savait. Il a dit, je ne serai peut-être pas là pour voir l'aboutissement de celui-ci, mais l'essentiel, c'est que je passe le témoin, je passe le message, voilà, c'est comme ça que moi j'ai été formaté et j'ai fait le reste. Donc en me disant, un jour viendra où je serai aussi peut-être porté au devant de la scène et voilà, Dieu a fait les choses assez merveilleusement, je veux dire. Donc à part le fait que bon, il m'a pris quelqu'un de cher, mon père, mais voilà, il me donne cette opportunité d'aller de l'avant et finalement de porter les attentes et les espoirs de mon peuple. Je veux le capitaliser au maximum et pouvoir laisser à ceux qui vont aussi me succéder un Congo qui soit prospère et une région qui soit pacifiée et qui soit performante. Ça, c'est très important. Monsieur le Président, comment dit toi ça qui dit là. Merci beaucoup. www.tolobelavie.com TOLOBELAVIE.com www.tolobelavie.com